مرحبا بكم بناتي ابنائي الاعزاء اخواتي اخواني مرحبا بكم على قناه ابرون افيك ميغا تعلم مع ميغا كيف حالكم اعزائي على خير اذا اليوم حصه خاصه من تتمه التقويم التشخيصي اللي بديناه حصه سابقه او حصص سابقه لا باس للتذكير بان التقويم التشخيصي ليفالياسيون ديغنوستيك هو مراجعه مراجعه مكتسبات السنه الماضيه طبعا ماشي مكتسبات كاملة لكن بعض منها لماذا؟ الهدف هو الوقوف عند تعطرات بعض المتعلمين فلا بد كتكون هناك بعض التعطرات كيوقف عليها الأستاذ علاش؟ لتصحيحها خلال أسبوع التقويم التشخيصي وكذلك إلى صادفت خلال السنة الدراسية الوقوف عندها كذلك والتأكيد والتثبيت اذا شفنا سابقا النص اللي امامكم لو تيكست اللي قرينا سابقا في الحصه الاولى ديال التقويم التشخيصي خرجنا انجزنا بعض التمارين في ماده الكونجوغيزون انجزنا الكومبريونسيون الفهم اسئله حول الفهم وانجزنا كذلك ليكسيك وعدكم غادي نكملو حصه اخرى درنا حصه اخرى ثانيه يعني قمنا بانجاز حصتين واليوم الحصه الثالثه كنتمنى نكملوها بسرعه اذا مستعدين احبائي يلا على بركه الله مرحبا بكم مره اخرى اذا كما كتشوفوا امامكم لا غرامير شنو ليكسيك وشنو لا كونجوغيزون شفنا لو فيتور لو بريزون وشنو لو فلو ليكسيك لو بلاسمون دو مو Suivant de l'alphabet. l'alphabet. la famille mots. École sport. Alors maintenant, on passe à la grammaire. Un tableau complet à partir du texte. Le texte le tableau. le texte. Complète à partir du texte. Le tableau suivant. Une phrase exclamative. Une phrase affirmative. وطالبين منا اون فراز نيجاتيف مع الاسف ما كايناش لانه كيف كتعرفوا احبائي كيكونوا اخطاء بعض الاحيان في بعض الكتب لكن لا باس نطرحو حنا اون فراز نيجاتيف باش نذكركم بها داكو نرجعو لو voilà تيكست الو فوالا لو تيكست الى خدينا لو جي بارتيسيبي افيك ما فامي Et mes amis, à la fête de l'école. dit c'est une phrase affirmative. J'étais présente également à cette fête. Voici une autre phrase affirmative. Voici une autre phrase. Nous nous sommes bien amusés. Voici une phrase affirmative. Salata, dans le tableau alors j'ai écrit nous nous sommes bien amusés c'est une phrase affirmative une phrase affirmative est le contraire d'une phrase négative elle fille c'est une phrase affirmative un une phrase exclamative Voici une phrase exclamative. C'était vraiment fabuleux. Oh, c'était vraiment fabuleux. Tu as raison, c'était formidable. Une phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. Donc, ce sont des phrases exclamatives. C'était vraiment génial. Oh quel beau paysage, tu vois un joli paysage et tu es Donc ça s'appelle une phrase exclamative. Maintenant, on va aller le tableau une phrase exclamative. C'était vraiment fabuleux. C'était vraiment fabuleux et voici le point d'exclamation. On ne doit pas oublier le point d'exclamation. Une phrase d'admiration. Maintenant, on passe à la phrase négative. Madame Malkinash, le texte. Il a dit le texte. a dit que la vidéo est faite. Mais la phrase négative c'est une faute. C'est une faute. Et dans l'an, il y une phrase négative. Par exemple, les élèves ne sont pas tous présents. Les élèves ne sont pas tous Présents. Alors j'écris les élèves dans le forum. Quand ils me le forum, le monde Les élèves ne sont pas tous Quand nous Bad les élèves, mais Monsieur Coulomb, les élèves ne sont pas tous présents. Alors a dit c'est une phrase. Négative. Les élèves ne sont pas tous présents. Voici la négation. Ne et pas. Elle dit à la négation. Alors là, c'est une phrase négative. Les négations, qu'il tout, mais qu'il ne pas. Qu'il ne plus, ne jamais, ne guère, ne personne. Et puis, il y a ni, ni. يلا رجعتو للبلاي ليست ديالي في القناه ديالي غتقلبو كاين درس خاص بلي نيغاسيون احبائي كلشي كاين في القناه ديالي خاص غير شويه ديال الاجتهاد وتقلب غتلقى كلشي داكوغ طلبو منا روليف دو تيكست ان غوب نومينال سوجي اي اونتور ان غوب فيربال روليف دو تيكست ان غوب نومينال رجو ونقلبو على ان غوب نومينال Sujet. adam on va le chercher. Et puis, on entoure le groupe verbal. D'accord? Donc, il a dit, regardez, suivez-moi. J'ai participé avec ma famille. J'ai un exemple. Alors, je, c'est un groupe nominal. Je. Le groupe nominal, quelqu'un y a un pronom personnel comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, ou bien quelqu'un a un nom propre comme Rachid, Morad, etc., ou bien quelqu'un y a un nom commun comme la voiture, le »,« la fenêtre, etc. Donc, Adam le, ou le sujet, le groupe nominal sujet. Et participer et tout ce qui suit à des groupes verbal. L'effet le verbe. c'est le groupe verbal. C'est le verbe. C'est de groupe verbal. Mais ne se mène à groupe verbal. Donc, donc c'est le verbe ou chil les les mots qui suivent après. D'accord. Je vous fais un autre exemple. J'étais présente. Mais quinze beaucoup de choix la dernière phrase tu as raison tu as raison tu c'est aussi un groupe un groupe nominal sujet et puis a raison c'est le groupe verbal l'effet le verbe est le groupe verbal, verbal. d'accord tu le pronom personnel un groupe nominal sujet. Un groupe nominal sujet. Et puis, a raison, c'est le groupe verbal. C'est le groupe verbal. Le groupe nominal sujet qui est le pronom personnel. mère, Je, tue il, elle, nous, vous, il, elle avec s. Il avec s, elle avec s. Ou bien, il peut y le groupe nominal sujet, il un nom propre. Rachid, Fatiha, Leila, Dina, Nora. Ou bien, un nom commun. Il a la phrase la voiture, il la phrase le chien, peu importe. Un nom commun. C'est ce le a Le groupe nominal le sujet. Après, il a le groupe verbal, il a fait le verbe, c'est la fin de la phrase. Il a la phrase, après le verbe. C'est un groupe verbal. Donc, si vous deux exercices simple, le groupe nominal, sujet le groupe verbal, que numéro relève du texte deux phrases qui contiennent un COD et un COI, c'est-à-dire complément d'objet direct un complément d'objet indirect. On va direz au le texte. on va dans le texte. Relève du texte. On va chercher. Bon, le texte. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai passé d'agréables moments avec mes nouveaux camarades de classe. Le cœur. est le complément d'objet direct. Et la caractéristique le complément d'objet direct, c'est il répond à la question quoi. Tu as mangé quoi. Tu as écrit quoi. On a vu quoi. Et y a « les liens le complément d'objet direct. Alors j'ai passé quoi. J'ai passé d'agréables moments. Eh où est le complément d'objet direct? C O D. C -O -D. Complément d'objet direct, c'est-à-dire qui se voit dans le tableau. Et puis talbin un complément d'objet indirect. Qui est-ce qui joue à la question à qui, avec qui, à quoi, à, à quoi, avec quoi, à quoi à qui. Hada avec qui on le complément d'objet indirect. Chauvry qui le direct. Direct qui est le verbe au J'ai passé d'agréable moment j'ai mûbat sharam le verbe donc adam niki koum mûbat shara le complément d'objet direct غير مُباشر يعني كي جنبت كلمة بعد كي جي هذاك le complement qui indirect il répond à la question à qui avec qui alors نعم j'ai passé d'agréable moment avec mes nouveaux camarades هذا واسى

Et puis avec mes nouveaux amis, le COI, complément d'objet indirect. Alors, un journal à la question de, de, de la grammaire. Alors, bkano l'orthographe ou swiyan le lexique. D'accord. vais la vidéo, c'est tout. Alors, adin الان ندوزو لورتوغراف جو بار لانترو هاد بحال هاد ليكزيرسيس احبائي كيطيح بزاف في التمارين في الامتحانات دائما كيطرحو هاد السؤال جو بار لانترو لانترو هو عنصر زايد داخل دو ترو كنقولوا له دو ترو يعني زايد ما عنده لا شيء يكون في المجموعه في الانسان كذلك حتى الانسان فيه اللي هو داخل كتكون مجموعه فيها انسجام فيها الى اخره كيدخل واحد العنصر اللي لا علاقه له بالمجموعه هذا كن بحال كنقولوا له ان ترو اون بيرسون انتروز دابا هنا 14 15 40 لو كور وهذا اكزومبل عطيناه لكم هو ما في في ليكزرسيس On ils ont barré le cœur, le cœur ou le cœur. Donc, 14, 15, 40, deux, ce sont des nombres. Le cœur, on s'train, il parce que, la cata, le culbe, Alors, on a barré le cœur. Donc, le cœur, c'est l'intrus. Monsieur le deuxième famille, la classe, la culotte, le docteur, un kilo. J'cat l'achdo, cat l'achdo,

Pourquoi? Parce qu'il s'écrit par k, avec k. Elle a la classe c, la culotte c, le docteur c, mais un kilo s'écrit avec un k et pas un c, même si ça se prononce de la même façon. On passe à la troisième famille. Un euh, plutôt kilomètre, Karim, du karaté, la cour. Il a la de la famille. L'accès Kilomètre s'écrit avec un k. Karim s'écrit avec la lettre K. Du karaté, même chose, c'est pareil, la lettre K. La cour s'écrit avec la lettre C et toutes se prononcent avec que. Mais il y a une différence dans l'écriture. Alors, où est l'intrus? Eh bien, l'intrus, c'est la cour. Pourquoi? Parce qu'il s'écrit avec C. Tandis que les mots, les autres mots, s'écrivent avec la lettre K la dernière famille technique technologie psychologue cantine donc regardez moi le premier mot technique hein? même euh, presque le même exercice technique s'écrit avec ch et se prononce que technologie même chose tech s'écrit avec ch psychologie ch qui se prononce que mais la cantine, ça s'écrit pas avec « c »,« h », ça s'écrit avec « c ». Eh bien, l'intrus, c'est la cantine. La cantine, il y a le matram. La cantine. D'accord On continue. ce que vous Alors, 14, dans la première famille, c'est le cœur, l'intrus. Deuxième famille, l'intrus, c'est un kilo. Troisième famille, l'intrus, c'est la cour. Dernière famille, l'intrus, c'est cantine. Pour l'exercice suivant, on cherche des mots. Voici des mots qu'on doit chercher dans le tableau, dans cette grille. Une grille de mots. Ce sont des mots fléchés. Le jeu, l'exercice s'appelle les mots fléchés. On écrit ces mots, on cherche ces mots donnés, hein? on les cherche dans cette grille. Exemple, cartable, regardez cartable, la voilà, cartable. Hein? Alors, voici cartable, on cherche le mot école, hein? on cherche les mots, le mot école et c, o, l, e, école, et on entoure. École. Stylo. On cherche le mot stylo. Alors, voilà stylo. On va le chercher dans la grille. Stylo. Le voilà. S-T-Y-L-O. Stylo. Et ainsi de suite. Akda katstamro fad kalimat kalbou alion dans la grille. D'accord? Maintenant, laisse faire l'exercice. C'est bon? Sur le dernier exercice production écrite. On va compléter ces phrases. Fiche de présentation. Fiche de présentation rédige un message destiné au forum de la rentrée scolaire dans lequel tu te présentes et tu racontes ce que tu as fait pendant la fête de l'école. Donc à la caméra, le forum lit le texte. Alors on commence. Donc je a dit une présentation. Je m'appelle. Tu écris ton nom ici. Hmm? Nom et prénom. Nora. Je m'appelle Nora. Filali, par exemple. Mourad Alami. Je m'appelle Nora Filali. J'ai 11 ans. J'ai 11 ans, hmm? J'ai 11 ans, j'ai 10 ans. Ça dépend de l'âge, dialect. l'âge. J'habite Rabat, j'habite Marrakech, j'habite Fès, etc. J'aime la natation. Donc, n'est-ce j'habite, j'habite, tu habites. Est-ce

جو déteste la boxe بحكم انها رياضة عنيفة فانا لا احبها اكرهها اذا ممكن تقول شيء اخر كل واحد كيشوف نفسه ماذا يحب وماذا يكره quest أم qu'il aime جو ديتيست qu'il déteste Je déteste la boxe Et bien le jour de la rentrée scolaire j'ai rencontré mes amis. Le jour de la rentrée scolaire, madrasi. Il t'a bisa, j'ai rencontré, il t'a qu'à mes amis. Ce le la question, raconte ce que tu as fait pendant la fête de l'école. la fête de l'école, et tu as rencontré tes amis, et puis, vous avez élu les délégués دو لا كلاس انتخبنا الاعضاء اللي غيكونوا كيهتموا بشؤون القسم انتخبنا اعضاء المكتب الخاص بهاد الشؤون ديال الفصل مفهوم وهكذا كيمكن كي تعطي اجوبه اخرى تعطي امثله اخرى تعطي يعني ممكن تحدث بطريقتك كيف ما بغيتي اذا احبائي حاولت ما امكن نكملكم لكم هذه الحصه الى الاخير خدينا من هنا ومن هنا التقطنا شويه من هنا وشويه من هنا وفي الحصه المقبله ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم أه شي يعني حصه اخرى خاصه بالتقويم التشخيصي كتدخل دائما في اطار التقويم التشخيصي ما دمتم في بدايه الدخول المدرسي احبائي كنتمنى نكون ما طولتش عليكم واخا راني طولت لانه الامور كتستدعي ذلك باش ما نديروش حصص كثيره باش ندوزو الاشياء اخرى كينتظرونا كي الكثير خاصني غير العنايه ديالكم يعني الاهتمام الانصات التركيز المراجعه احبائي تفتحوا الفيديوهات بين حين واخر باش باش يعني تركز لديكم المعلومات وما يكون غير الخير احبائي الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نأخذ لكم من الكتاب المدرسي كانت يكون مناسب لكم لأنكم راكم عارفين كل مدينة كل مقاطعة وعندها الكتب ديالها والطبعة ديالها الخاصة إذا الحصة المقبلة غادي نحاول نأخذ لكم من مرجع من المراجع اللي عندكم في هذه السنة بإذن الله إذا دمتم في رعاية الله بانكوغاج ميزانفان إيه على